Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver dans votre salon, le salon de l'art de se dire, avec une interrogation qui demeure centrale, que tous les êtres humains sur la Terre partagent, avec des tentatives de réponse des plus variées. À quoi sert la vie? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but ultime? À question fondamentale, réponse qu'il est tout autant, avec un auteur marqueur de pensée pour des ouvrages majeurs. Gérard Binazavier, bonsoir. Bonsoir. Votre présence avec nous ce soir ne relève pas du hasard. Vous en avez conscience? Vraisemblablement, il y a du sens. Il y a du sens. Et d'ailleurs, vous êtes dans une dynamique de quête de sens. Je crois que c'est l'essentiel pour tout humain d'être dans cette démarche-là, puisque nous sommes des chercheurs de sens. Alors avant de vous présenter de manière plus ou moins académique, j'aimerais que vous puissiez nous dire qui vous êtes véritablement. Un visionnaire, on peut vous voir comme ça? Peut-être que certains amis me disent effectivement être visionnaire de ce que les concepts ou les approches que j'ai semblent, selon eux, donc anticiper les réalités. Pardon. Je considère que je suis simplement un observateur des choses qui se passent, un observateur peut-être assidu, qui essaie de comprendre, n'est-ce pas, les mécanismes qui sont en jeu et jusqu'où, finalement, nous pouvons aller, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, est-ce que c'est une perception particulière? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaye de comprendre les choses, simplement. Un ouvrage phare, on va en parler certainement beaucoup ces prochains temps. La poétique du sens, de la vie à l'existence. C'est l'intitulé de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Edilivre. En quoi la vie est différente de l'existence? Je parle du postulat sur lequel la plupart des personnes vivent, mais n'existent pas. La vie, effectivement, c'est de pouvoir gérer au mieux ce que l'on est. On est en vie, on meurt, on fait des études, on travaille, on va à la retraite, donc on gère les choses de la vie au mieux. C'est la vie, n'est-ce pas? On en profite pleinement. D'ailleurs, c'est Sénèque qui dit que chaque jour de vie est une vie. Il convient d'en avoir, conscience et d'en avoir la substance pour l'apprécier et pour en profiter. Néanmoins, je pense que l'existence est différente en ce que l'existence permet à un individu d'être dans une dimension élevée de ce qu'il est. Mais l'exigence, effectivement, plus que la vie exige de l'individu qu'il accède à son être, n'est-ce pas? Et le transcende cet être-là, de manière à ce qu'il puisse parvenir à ce que Sénèque, n'est-ce pas, entre autres, appelle l'âme, parvenir à son âme, c'est-à-dire à son être transcendé. Vous voulez nous dire par là que nous vivons, nous respirons, vous, moi, mais nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes vraiment, de ce que nous représentons. En gros, nous sommes à côté de la plaque. On pourrait peut-être le dire abusivement, mais enfin, c'est vrai, quelque part, j'ai le sentiment que nous donnons pas à la vie son véritable sens. C'est vrai qu'on consomme le temps et les événements, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Et alors qu'il y a énormément de choses, chaque individu à des ressources extraordinaires qui sont les siennes propres, n'est-ce pas, qui pourraient l'amener à un niveau très élevé de ce qu'il est. Et donc, il n'en profite pas parce que, donc, par rapport à une éducation, par rapport à certaines formes d'aliénation, n'est-ce pas, qui nous restreint dans ce que nous sommes, si bien que, au terme de la vie, de nombreuses personnes se disent, bon, qu'ai-je fait de ma vie? Et moi, dans tout ça, etc., ayant le sentiment qu'ils pouvaient aller beaucoup plus loin de ce qu'ils ont été durant leur vie et donc n'ayant pas atteint cette dimension supérieure d'eux-mêmes. Alors on est bien d'accord que dans une dimension du monde, hein, on est en Guadeloupe, on est ailleurs, on est dans le monde, mais comment se fait-il que des millions, des milliards d'individus soient à côté de leur existence? Par quel processus magique on a pu arriver sur Terre sans se posséder? Parce que simplement, je pense que durant le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'est vrai qu'il y a des approches, n'est-ce pas, qui ont été faites et qui me semblent avoir éloigné donc, l'humanité, du sens de la véritable existence. Parce que je dis cette période-là, parce que bien avant, au 1er siècle, bien avant la période pré-chrétienne, je pense à Spinoza, enfin, Sénèque, Socrate, tout cela parlait déjà de l'existence. C'est-à-dire que l'individu, c'était une invitation à amener l'individu à aller au-delà de ce qu'il était. D'ailleurs, ces hommes-là ont produit la philosophie de la liberté intérieure. Ils considéraient que l'homme, n'est-ce pas, dans ce qu'il est, a pour finalité de parvenir à une liberté, une sécurité intérieure, n'est-ce pas? Et non donc, une sécurité financière. Ah non, non, pas du tout, voilà. Parce qu'en réalité, et eux le disaient, et la réalité qui nous concerne donc est du même type, on sait que l'avoir, le paraître, le lili pour gagavrer, ce sont les choses qui n'ont pas de sens véritablement, n'est-ce pas? Vous indiquez dans votre ouvrage que la plus grosse crise que l'on subit actuellement, ce n'est pas forcément la crise financière, économique ou sociale, c'est la crise du sens. Et vous nous expliquez que cette crise du sens a des impacts directs sur ce que nous vivons dans l'actualité. Des désaccès, des personnes qui sont en quête de sens, qui sont déprimées, suicidaires, etc. Tous les excès dont on assiste en ce moment pourraient provenir de ce vide de sens. Je pense, tout à fait. Alors, on évoque quelquefois la crise de valeurs, de repères. Il me semble que le cadre général, c'est le sens. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui, donc effectivement, tombent dans certains excès, certaines formes d'addiction, mais aussi investissent ou réinvestissent tout ce qui relève du champ religieux, n'est-ce pas, donc avec tous les extrêmes que l'on constate, est-ce que vous comprenez? Parce que chacun a besoin de se définir et de se définir et de se redéfinir face à la crise. Donc les crises qui se sont succédées, financières, économiques, etc., qui a perturbé le système dans lequel nous vivons. Donc le sens est aujourd'hui l'élément que recherchent la plupart des individus. Il y aura un sommet sur l'environnement et l'écologie majeur. Vous pensez que justement cette perte de sens va jusque-là, c'est-à-dire induit aussi ces dérèglements écologiques parce que nous n'avons pas le sens et la mesure? Absolument. Absolument, je le crois, et je le crois d'autant plus que je considère que, sans excès et en étant humble dans mon propos, qu'il manquerait, peut-être que donc, lorsque la COP21 sera donc, développée, sera présentée, on abordera cette dimension-là. Mais de ce que j'entends, c'est vrai qu'est occultée la dimension humaine, n'est-ce pas, la gestion que l'humain devra faire de toutes ces dérives climatiques qui existent, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui saura, à mon avis, donner du sens, redonner du sens aux réalités. Parce que c'est lui l'acteur principal de tous ces changements qui devra porter sa part. Et c'est vrai que, mais au départ, on sait que toutes les difficultés auxquelles on assiste sont liées effectivement au manque de mesure de l'humain, au manque d'appréciation, au manque de respect même, n'est-ce pas, pour l'environnement, qui nous permet de vivre équilibré. Alors comment faire pour se réapproprier ces éléments majeurs, simples, et pourtant qui sont loin de nous, le sens? Je pense que chacun, et ça je le crois très fortement, chaque individu a potentiellement la capacité de pouvoir se saisir de ces problématiques. Vous savez, je dis avec peut-être qu'excès, vous me pardonnerez, que chaque individu a une dimension spécifique qu'il n'emploie pas suffisamment. Il a l'intelligence, je pense que chaque personne, chaque humain a une noblesse, n'est-ce pas? Parce que, je dis dans l'ouvrage, que nous avons en nous une part du divin, n'est-ce pas, qui nous dispose à avoir des attitudes qui sont cohérentes. Mais c'est vrai que différentes choses, l'éducative, donc des influences diverses, différentes formes d'aliénation, le consumérisme, n'est-ce pas? Donc différentes choses qu'on nous présente comme étant des éléments essentiels de notre vie viennent perturber ce que nous pourrions porter, donc la contribution que nous pourrions porter à l'humanité. Donc ce dérèglement est systémique, parce que les sociétés nous proposent une logique de groupe, oui, pas une logique d'individu. C'est là la première désaliénation, le premier vide qui s'inscrit dans cette logique-là? Tout à fait. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a mis les individus dans des sphères On leur a donné donc des manières d'être et de penser. Même, on parle donc des éléments qui finalement dépossèdent l'individu de sa substance lui-même, si bien qu'il n'a plus le pouvoir qu'il aurait, les moyens qu'il aurait d'agir, n'est-ce pas, donc sur les réalités, sur la réalité quotidienne. Et il peut effectivement, bon, je veux dire, s'en réjouir hein, malgré tout, parce qu'on lui a présenté cela comme étant la vérité, la manière donc de vivre et d'exister, de réussir, n'est-ce pas? Alors, Gérard Binazavier, vous êtes anthropologue, sociologue. À 20 ans, vous décidez de faire le tour du monde, un périple. Ce périple est écourté, puisqu'il y a un décès dans votre famille. Oui. Mais cette volonté de faire ce périple autour du monde à 20 ans, comment elle s'est imposée à vous? Ben, je crois que j'ai eu un besoin, à 20 ans, comme n'est-ce pas, toute personne, n'est-ce pas, durant cette période-là, de faire une expérience, de faire des expériences. Celle-ci s'imposait à moi. Et ouais, j'ai dit que après, j'ai su que ma mère, qui rêvait d'être une grande voyageuse, n'est-ce pas, a eu le même désir. Peut-être qu'elle me l'a insufflé, hein, je ne sais. En tout cas, j'ai voulu, à 20 ans, prendre nos sacs à dos, mettre dans casserole réchaud, etc. Et partir, donc, faire le tour du monde. Et c'est vrai que ça a été l'expérience la plus marquante de ma vie, de mon existence. Donc vous avez rempli votre existence de ce moment-là? C'est-à-dire que ce fut le point de départ. Je considère ce voyage, cette expérience, comme un rite initiatique, n'est-ce pas, qui m'a permis d'avoir une vision propre, personnelle en tout cas, du monde. Dès lors, mes choix d'études, n'est-ce pas, familiaux ou autres, se sont profondément inspirés de cette expérience-là. Encore maintenant, ce que j'écris, à mon avis, est très lié à cette expérience humaine que j'ai faite. Expérience humaine, pour mieux comprendre la profondeur de votre pensée, de votre livre, La poétique du sens, de la vie à l'existence, on vous a rencontré à la bibliothèque universitaire à Fouillol, avec des personnes qui témoignent de ce que ce livre a pu déclencher en eux. C'est puissant, c'est fort, il y a vraiment quelque chose qui se passe à travers ce livre. Regardez, j'espère que vous allez en profiter vous aussi. Merci. Lorsque l'on cherche une certaine vérité, cela passe nécessairement par un cheminement intérieur. Des livres pour irriguer sa pensée. Des étudiants qui souhaitent être éclairés. Au bout de ce long parcours, on peut enfin passer de la vie à l'existence. Alors ils ont voulu en parler, partager, témoigner, expliciter ce qu'ils ont perçu, parce qu'ils ont enfin compris. Devenir un être humain et accomplir toutes les potentialités d'un être humain était déjà un chemin admirable. Et si personne ne vous l'a dit, comment pouvez-vous l'entendre? C'est clair. Autre témoignage tout aussi puissant. Raphaël Spironel, psychologue, vit aujourd'hui à Saint-Domingue. Il décrypte l'ouvrage, mais aussi le personnage Bulin-Xavier. Je crois que c'est vraiment un homme de la modernité. C'est un homme de son temps et c'est lui qui a probablement le mieux pensé la problématique du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Gérard fait partie de cette génération des gens des années 50-55, qui sont venus, qui ont connu tout. Ils ont connu les 30 Glorieuses, avec toute l'épopée intellectuelle magnifique liée à une certaine idée de l'opulence. Et puis, ils ont connu, juste après ces 30 Glorieuses, avec les années 80, le début de la déconstruction du sens, des sens premiers. Il a été un des premiers précurseurs en Guadeloupe à parler de la post-histoire et à comprendre que cette perte de sens dans laquelle nous étions rentrés, nous propulsait dans une ère nouvelle sur le tout-monde, mais qui va beaucoup plus loin parce qu'elle pose la question, la problématique de la création d'un sens et d'un sens nouveau au cœur de son ouvrage. C'est une vraie espérance sur un monde à créer, mais qui est fondamentalement basée sur l'humain. L'humain dans sa définition peut-être la plus étroite, c'est-à-dire celle de l'homme qui est porteur d'un cœur, qui est porteur d'un esprit et d'une volonté à être. les jours, parce que les combats menés en société, en famille, finalement nous éloignent de cette perception nécessaire de ce que nous sommes ou ce que nous pouvons devenir. Donc cette quête spirituelle, nous en sommes tous les jours en quelque sorte sevrés. Ce serait très limité, très frustrant de lire ce livre seul. Il faut le partager avec d'autres. Il faut ce chemin, il faut le faire, oui, pour soi-même, dans sa propre existence. La reliance, elle reste entièrement à accomplir. La reliance, oui. Ça reste à faire, relier. Tout à fait. Je crois que c'est une obligation, n'est-ce pas? Je pense que c'est un devoir aujourd'hui pour l'humain, pour les humains, de se relier. Certes, soi-même par riveur, il est clair que sur le plan macroscopique du monde, donc les choses ne seront pas aisées. Néanmoins, dans des espaces, dans la famille, sur un territoire comme la Guadeloupe, il est important effectivement que chacun puisse prendre conscience de qui il est, du projet qu'il doit avoir, projet de vie, projet d'existence, de manière à ce que, je vais dire que l'être ensemble, le vivre ensemble, le faire ensemble ait du sens. Sinon, et on l'assiste déjà ici et là, on l'assiste quelque peu aussi chez nous, il faut avoir certains dérèglements, n'est-ce pas, des difficultés de différents ordres, donc violence ou d'autres choses qui ne sont que les symptômes de mal-être, que vous faisiez référence à la réalité systémique, c'est bien cela. C'est-à-dire les éléments donc, même dans le système ne sont pas dans une direction positive, si bien que bon, ben, finalement, il y a un déséquilibre. Et la reliance, n'est-ce pas, dont parle Edgar Morin, n'est-ce pas, et Mavezoli en particulier, ils indiquent bien dans leur réalité l'obligation qu'il y a pour les composants d'une société ou d'une famille ou d'une entreprise de se relier, d'être en lien. N'est-ce pas? Et je pense que notre territoire, enfin notre pays, la Guadeloupe en particulier, puisque nous sommes en Guadeloupe, a un gros avantage. Parce que nous avons des éléments, des ressources socioculturelles qui nous permettraient de le faire. Le lien a du sens en Guadeloupe. Qu'il le lien familial, qu'il le lien social, qu'il le lien communautaire, ça a du sens. Donc la reliance, n'est-ce pas, pourrait en avoir d'autant plus. Alors, Raphaël faisait référence à la post-histoire. Je dis que bon, la post-histoire, c'est vrai que je travaille quelque peu, mais c'est dans les travaux de 2016. Mais il pensait plus à la post-modernité, puisque dans l'ouvrage aussi, je fais référence à la post-modernité. J'évoque ce point-là parce que c'est pour bien expliquer le point concernant la reliance. Je dis que nos sociétés ne sont pas modernes ni traditionnelles, elles sont les deux à la fois. La Guadeloupe, c'est une société post-moderne. Elle a une dimension moderne. D'ailleurs, dans l'ouvrage ou dans le précédent, je présente les indicateurs, et aussi moderne. Et c'est cet équilibre-là qui permet donc que la reliance soit plus facile dans nos espaces en Guadeloupe qu'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment pour passer, peut-être que ce n'est pas là votre rôle, vous êtes là pour nous expliciter des théories, mais comment passer de cet aspect théorique décortiqué, assez clair de votre part, à quelque chose d'appliqué? Ce sont des mécanismes qu'il faut mettre en place pour que cette conscience-là émerge, autant individuelle que collective. Comment ça peut se passer, se décliner sur le terrain des comportements et de la conscience? Une chose, une base simple, n'est-ce pas, à mettre en place, c'est ce qui est de la valorisation. Nos systèmes, et nous sommes dans celui qui est le nôtre, la Guadeloupe, nous avons ça, c'est l'anthropologue, c'est pas seulement le Guadeloupéen qui parle, parce qu'on pourrait penser que si, que ça. L'anthropologue, nous avons des ressources réelles qui nous permettraient de rééquilibrer, de traiter un certain nombre de problématiques qui apparaissent. Sauf que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes individuellement et collectivement, n'est-ce pas? Et il convient dans la méthode, puisque Madame, donc, disait tout à l'heure, Madame Montantin, effectivement, Il disait que l'ouvrage, La poétique du sens, c'est la méthode du précédent. Et dans la méthode, il y a ce qui relève de la valorisation de ce que nous sommes et d'un frémi à tout ce qui relève de l'autophagie, de l'autodénigrement, d'une vision négative de ce que nous sommes. Je pense qu'en Guadeloupe, nous avons des qualités à faire valoir. La seule, je vais dire, capacité à se le dire, à le reconnaître, pourrait nous disposer à une reliance. Est-ce que vous comprenez? Parce que, je vais dire, de même, on parle de résilience, je ne m'y attarderai pas trop, mais néanmoins, si on parle de résilience, la réalité socio-historique de la Guadeloupe permet de dire que nous sommes résilients, est-ce que vous comprenez? Ce qui explique la capacité de la Guadeloupe à fournir autant de champions, etc. etc. Nous sommes résilients dans un contexte de modernité. La Raymond Aron, en 1969, qui écrivait déjà que le progrès génère de la désillusion, nous étions en 1969. Comment faire aujourd'hui, même si nous avons cette capacité de reliance, comme vous le dites, comment faire pour que cette capacité devienne concrète alors que le monde fonctionne dans cette désillusion du progrès qui est pourtant clamée? Tout à fait. Mais enfin, Raymond Aron faisait référence à l'Europe, à l'Occident, n'est-ce pas? Avec le fait qu'aujourd'hui, il est évident... On peut l'étendre au monde, cette fois. On peut, tout à fait. Mais néanmoins, lorsque j'abordais tout à l'heure la dimension postmoderne du monde, n'est-ce pas? J'y mettais non seulement la dimension moderne, mais aussi la dimension traditionnelle. Et c'est cette dimension traditionnelle souvent qui est occultée. Et alors que c'est elle qui porte les valeurs, c'est elle qui porte les codes sociaux. C'est elle qui porte les repères permettant aux gens de se définir ou de se redéfinir, d'être dans le sens. Est-ce que vous comprenez? Alors, Gérard Binazavier, en 2012, L'essentialité ou la déracialisation du monde, un ouvrage que vous avez donc sorti à cette époque-là, oui, qui a fait l'objet de toutes les attentions hein, au niveau du monde, au niveau de la scène nationale, voire internationale. Oui. Le Monde en a parlé. On peut en reparler encore aujourd'hui de la déracialisation du monde. Oui. Est-ce que c'est un processus? Tout le monde en a conscience, mais personne ne l'applique. Il est temps de passer à autre chose. Je pense, oui. Je pense, en fait, oui, il est temps de le faire. Mais c'est vrai que, officiellement, les restes n'existent pas. C'est vrai, la Constitution française, le président Hollande l'a enlevé, n'est-ce pas, a enlevé le bourras. C'est vrai. Mais fondamentalement, dans les représentations, mentalement, n'est-ce pas, demeure cette réalité-là, dans le regard que les uns ont aux autres. Donc, il y a une forme de racialisation qui demeure. Et je pense, dans le précédent et dans celui-ci, je présente donc le processus de déracialisation qui signifie simplement, je me réfère encore aux travaux notamment de Morin, de renvoyer à chaque individu l'humanité de son humanité. C'est-à-dire que je me permets de dire que noir et blanc n'existe pas. Ce sont des représentations fantasmatiques, n'est-ce pas? Bien évidemment, je suis noir, l'autre est blanc, etc. Ce sont des réalités phénotypiques qu'on ne peut pas contester. Oui, mais toutes les représentations qui sont autour et qui nourrissent des sentiments de culpabilité, des sentiments d'infériorité, de supériorité, n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Et la politique du sens que je présente indique bien que pour passer de la vie à l'existence, il faut se défaire de ces aliénations. Parce que je considère que cette racialisation à laquelle je fais référence, c'est une aliénation. Où en êtes-vous des vôtres ? De cette justement aliénation, le fait d'écrire ces ouvrages-là. Oui. Est-ce que vous êtes devenu quelqu'un libéré qui a pris la pleine conscience de son existence? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est ce aussi que vous portez à travers non seulement vos ouvrages, mais votre être? Absolument, pour moi c'est essentiel. D'ailleurs, l'essentialité c'est cela. C'est cette posture qui consiste à se définir, non pas par rapport à ses aspects phénotypiques, mais en investissant complètement son identité humaine. Non seulement c'est le cas, mais sans aucune prétention, madame, j'interdis à quiconque de m'enlever ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis homme, point. Est-ce que vous voyez? Je suis noir, j'assume, je suis nègre, tous les vocables qu'on peut employer. C'est une réalité que j'assume, je n'ai pas de problème là-dessus, dans ce que je suis, en tant que noir, en tant que nègre, etc. Néanmoins, je dois, dans mon existence, n'est-ce pas, donc sublimer tout cela, de manière à ce que je puisse accéder au meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'est l'humanité de mon humanité. L'humanité de notre humanité, c'est savoir aussi se transcender. Absolument. Et c'est ça l'âme. Je veux dire que passer de la vie à l'existence, c'est quoi? Donc dans la vie, c'est l'être, nous sommes dans l'être, et dans l'existence, c'est l'âme. L'âme que je définis comme l'être transcendé, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a ce que Sénèque donc, énonçait lorsqu'il dit que nous ne sommes pas sur terre pour filtrer le vin, ni faire cuire la nourriture, nous sommes sur terre pour le perfectionnement de notre âme. C'est-à-dire, chaque instant de notre vie doit nous aider à nous dépasser. Merci de nous avoir aidés à le faire. Gérard Bulin-Xavier, à très bientôt et bonne continuation dans l'essentialité. Je vous remercie. Merci à vous.